moi, je suis natif de Sainte-Martine, comme tu sais, non? Oui, moi, je sais. Tu sais. Mais pas les gens. Les gens le savent. Moi, je suis natif de Sainte-Martine. Puis Sainte-Martine, au niveau de la nature, il y a des champs. Beaucoup de champs. Puis il y a de l'agriculture. Ouais. Fait que moi, je pensais que c'était comme ça. Puis il y avait une voie ferrée derrière chez moi. Puis si tu voulais aller jouer, il fallait prendre la voie ferrée pour te rendre dans les champs de maïs. Puis il y a le bois Martin. Le bois Martin qui était tout petit. Tout petit. C'est une petite forêt tout petit. Tout petit. Mais pour nous, c'était la forêt. J'en ai fait des cabanes là-dedans. Mais c'est ça. On a tout joué là-dedans. Et il y avait aussi la rivière Châteauguay qui est assez fantastique. Ouais. Parce que là, c'est un beau terrain de jeu, une rivière. Oui, dans votre temps. Dans notre temps. Dans mon temps, c'est moins. La rivière était moins belle. Je dirais pas ça, Mathieu. Non. Elle n'était pas belle. Elle n'a jamais été belle, dans mon souvenir. Les gens disent, dans mon temps, c'est juste que vous en foutiez, vous vous baignez dedans. Ouais. Là, nous autres, nos parents disaient, non, allez pas là. J'avais raison, les parents. Jeune, on empruntait, j'allais emprunter le canot à Gabriel Grégoire, qui avait son commerce de patates frites. Puis il y avait un beau canot, qui ne servait pas. Gabriel ne l'utilisait pas. Puis j'allais avec mes copains. Ton père était là, Sylvain, et Claude Goyette, mon ami, puis on aimait beaucoup faire du canot sur la rivière Châteauguay, mais on rencontrait, tu sais, on voyait la pollution de la rivière Châteauguay, des barils qui flottent, des morceaux de bois, des vidanges, tout ça. Les gens jetaient n'importe quoi. C'est la rivière Châteauguay, puis là, je veux pas mettre la faute sur les agriculteurs, mais c'est beaucoup les champs, il y a beaucoup de champs qui finissent là. Oui. Ça, c'est une autre problématique. Il n'y a pas de bande de protection. Les cultivateurs, souvent, vont cultiver assez près des rivières. Les vaches vont aller à la rivière, donc ils vont créer, tu sais, ils vont faire de la boue. Ça fait une rivière assez brune, assez sale. Ouais, c'est ça. Mais les gens vont aller jeter des choses. Oui. Là. Ah ben juste pour faire un petit aparté, on est allé filmer avec en Bioterra, Saint-Chrysostome, cet été. Puis on est allé faire juste une petite démo. Parce qu'ils vont recenser les poissons dans les rivières. Ça. Mais juste en descendant, il y avait un pneu. Ouais. Il y avait des. Tu sais, ça avait l'air comme quasiment qu'ils nous avaient fait un setup. Mais tu sais, c'est comme tout est là. Il y avait plein d'affaires qui traînaient. C'était fou, là. C'est la petite aparté. C'est ce qui m'a sensibilisé de vouloir faire quelque chose pour. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie-tu la rivière? Oui, mais c'est. Si on nettoie la rivière, on n'a pas fini. On va passer notre vie à nettoyer la rivière. Puis il n'y a pas d'autre chose à faire. Puis j'ai été intéressé à l'environnement. Puis à partir de là, j'ai vu à un moment donné qu'il offrait à l'Université de Montréal un micro-programme en environnement. C'était 12 crédits seulement. Ouais. Ça commençait. Okay, il y avait toujours eu de la biologie à l'école, mais un cours où on parle, dans les années 80, où on parle d'environnement, puis d'écologie, puis d'écosystème, c'était comme nouveau. Puis là, j'ai dit « wow ». Fait que là, je me suis inscrit là, puis j'ai rencontré, comme de raison, plein de gens qui venaient de ma région, des gens de Châteauguay. Là, j'ai rencontré Georges Duchesne, mon ami, Michel Préville, l'ancien journaliste de l'information. Ouais, okay. Puis c'est là qu'on s'est dit, crime, je suis pas seul. Je suis pas seul à vouloir faire des choses. Ouais, puis les gars m'ont dit, écoute, on avait un groupe autrefois qui s'appelait le Commando des planteux. Je t'en ai-tu déjà parlé? Non. J'aime le nom, en tout cas. OK. Okay. C'était pas des batteurs d'un cours d'école. Non, OK, non, ça non. Va ça. Commando des planteux, c'est une gang qui s'est réunie dans les années 70, on est en 75 à peu près. Puis ces gens-là se sont dit, si on veut stabiliser les berges pour qu'il y ait moins de pollution dans la rivière, il faut planter des arbres. Et les arbres, là, c'était facile parce que tous les arbres de rivage, c'est souvent des saules puis des arbres, des peupliers, c'est des arbres qui se bouturent. Les gens ne savent pas ça. Okay. Si tu fais un bâtonnet comme une flèche, là, tu coupes comme une flèche au printemps, puis quand tu la replantes dans la boue, là, dans le sol, bien, elle va faire des racines, puis elle va bourgeonner, puis ça va faire un arbre. Okay. Alors, l'idée, c'était de se faire plein de bâtonnets, puis d'aller planter, puis de se donner un plan, des sections qu'on avait à faire. Okay. Fait que je parle de ça aux gars, les gars disent « Ouais, mais c'est fini, on s'en occupe plus. » Mais comment ça, on s'en occupe plus? C'était le fun, c'était un beau projet. Ouais. On a relancé le commando des planteux pendant plusieurs années, puis on est allé planter des arbres sur l'île Saint-Bernard, mais beaucoup à Sainte-Martine aussi. Ouais. Il y avait le maire, M. Meir, qui était là. Il aimait ça qu'on aille planter chez eux à Sainte-Martine. Et puis là, ça conscientisait les gens nous voyaient planter. Puis je suis sûr, aujourd'hui, sur l'île Saint-Bernard, il y a des saules qui sont là qu'on a plantées quand on était dans les années 80. Ouais, là, c'est ça, ouais. Puis après ça, on s'est dit,
c'est le fun de planter des arbres, mais comment on peut intervenir maintenant politiquement? Parce que tu sais, tu montes toujours une coche, hein? Tu dis, ouais, mais là, faut changer. Nous autres, on plante des arbres, mais la ville coupe des arbres. Là, on va aller leur parler, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais, fait que là, on a fondé Option Verte. Fait que là, on a créé un groupe qui s'appelait Option Verte, qui avait plus de mordants pour aller au conseil de ville, pour rencontrer le maire, le député, puis pour leur parler de la protection du territoire, de l'environnement. Ouais. Et je te dirais qu'à Option Verte, on avait un super biologiste qui était Pierre Aquin, qui travaille encore pour le gouvernement au niveau de la biologie. Okay. Pierre était le premier, avec Option Verte, avec nous, à déposer la protection du corridor vert Châteauguay-Léry. Écoute, c'est dans les années 80. Fait que la vision que Pierre avait ou le groupe avait à ce moment-là, c'était important de... Hey, on était une gang de coucous, là. Hein. On nous voyait arriver, là, puis il riait de nous autres, là, tu sais, parce que aujourd'hui, c'est après Option Verte, on a vu l'importance de créer Héritage Saint-Bernard, parce que là, il fallait protéger l'île Saint-Bernard. Mais ça, c'est pas juste les groupes. C'est vraiment la population qui a dit oui. Il y avait des citoyens, des gens de la ville de Châteauguay. Jean-Marc Fournier, qui n'était pas encore... Il n'était pas encore en politique. Non, okay. Il était avocat. Et à l'époque... Les Sœurs Grises étaient... Pardon? Les Sœurs Grises étaient encore là. Oui, les Sœurs Grises étaient là. Et... Ils ont accepté qu'on protège une partie de l'île, en tout cas 90% de l'île, qui est le refuge faunique aujourd'hui. Parce que les Sœurs Grises, quand même, ont toujours dit on va protéger la vie sur toutes ses formes, sur toutes ses manifestations. Fait que quand ils ont vu que les citoyens voulaient s'occuper de leur île, ben ils ont dit oui. T'sais. Mais en 93 est né le refuge faunique Marguerite Dioville. Okay. C'était Pierrette Cardinal qui était à l'époque député de Châteauguay. Okay. C'était le Parti libéral, c'est M. Bourassa qui était là. Et on a créé Héritage Saint-Bernard. Et tout de suite, ils ont donné la gestion du refuge faunique à Héritage Saint-Bernard en 93. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Moi, j'étais là en 87 pour la création d'Héritage Saint-Bernard avec les gens. Mais après ça, j'ai travaillé au BAP. Moi, j'ai travaillé au BAP pendant 6 ans de temps, au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Okay. Une affaire que j'ai adorée. Bref, Héritage Saint-Bernard est devenu gestionnaire du refuge faunique. Moi, je suis arrivé en 98 comme directeur général. OK. Puis j'étais... Ça faisait 5 ans là, que Héritage s'occupait. Oui, c'est ça. Okay. Ça faisait 5 ans qu'Héritage avait le mandat de s'occuper de l'île, mais avec pas de moyens. Pas de moyens, ça faisait juste un groupe citoyen. Ben oui, c'est ça. Était... Puis surveillez-la, puis faites des choses, mais vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent, c'est non. ça. Non. Fait que quand je suis arrivé, moi, j'ai dit, on va aller chercher de l'argent. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Puis on va aller, on va. Fait que c'était ça, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, puis j'ai été. Ça fait 22 ans que je rencontre des gens pour les convaincre qu'il faut mettre des sous, puis qu'il faut protéger des milieux naturels, puis qu'un milieu naturel, c'est aussi économiquement rentable, parce qu'il faut parler de chiffres avec des gens. Il y a des gens, il faut que tu parles de chiffres. Ouais. Parce que si tu parles de vie, de beauté, tout ça, ça les intéresse pas, il faut parler de chiffres. Ben, on parle de chiffres. On parle de. C'est quoi les retombées économiques de l'île Saint-Bernard? Ben, c'est 5 millions. On le sait aujourd'hui. Ouais. 5 123 emplois créés. Ça serait pas ça s'il n'y avait pas eu tout. C'est ça. Puis c'est quoi aussi, Jérôme Duprat, qui est un des musiciens, le bassiste de Cowboy Fringant. Qui est docteur maintenant. Oui, il est docteur, puis enseigne. Ouais. Ouais. Et une de sa thèse de doctorat, c'est les valeurs, la valeur que la nature, ça vaut combien la nature? Okay. Fait qu'on est capable maintenant de chiffrer comment vaut un hectare en milieu naturel. Puis à ce moment-là, il faut calculer ce que apporte à l'être humain en service la nature. Par exemple, un marécage va retenir l'eau, va la laisser aller par temps chaud, par sécheresse. C'est une éponge, une grosse éponge. Faut que tu en aies besoin. Quand l'eau arrive, il faut que tu la retiennes, sinon tu vas avoir des inondations. Quand il fait trop chaud, mais ça a gardé de l'eau, ça en libère. Ça capte tous les polluants, ça purifie l'eau. Les arbres captent les poussières, font de l'oxygène avec la photosynthèse. Alors, tout ça est calculé et puis tu te dis, mon territoire il rend des services à la hauteur de tant de milliards par année. Par exemple, la grande ceinture verte alentour de Montréal, c'est des milliards. Et à titre d'exemple, il y a une ville aux États-Unis qui devait construire un système d'eau potable ou de quelque chose du genre. Puis finalement, ils se sont dit, on va mettre des milliards en construction d'une usine, alors que si on fait juste acheter les territoires, le bassin versant, la nature le fait toute seule.
Ils l'ont fait, puis la nature le fait, c'est sa job. Elle l'a fait toute seule. T'as pas besoin de. Alors, c'est okay. ça. Ouais, c'est ça. Souvent, on déconstruit des choses, puis on reconstruit de façon artificielle pour régler un problème, alors que la nature le fait. Mais ça, c'est dur à expliquer à des politiciens. Parce que s'ils marchent juste avec des chiffres, c'est difficile. Jérôme Dupont est arrivé avec. Il a chiffré ces choses-là. Puis c'est dur parce que, tu sais, en même temps, là, ça devrait être juste, tu sais, pour Châteauguay de faire. OK, vous voulez venir vous habiter ici, dans le coin? Oui. Bien, l'héritage, c'est important. Tu sais, où la future ceinture verte s'y est protégée, bien, c'est juste un plus de vie, tu sais. Exactement. Puis t'as beaucoup de... Ça prend de la valeur parce que hey, je peux sortir de chez nous. Pas longtemps après, je suis dans un beau milieu. Mais il y a beaucoup d'agents d'immeubles qui mettent près de l'île Saint-Bernard. À cette heure, oui, oui, de plus en plus. Ah, oui. Puis il y en a même un, c'est Carl Champagne. Lui, il a dit, à chaque fois que je vends une maison, je vais planter deux arbres avec Héritage Saint-Bernard. Fait qu'à la fin de l'année, il va nous dire, j'ai vendu 20 maisons. Alors, j'ai ramassé l'argent pour planter 40 arbres. Alors, si vous faites affaire avec Carl Champagne, il va planter des arbres.